partenariat. Ça vient d'un site qui s'appelle Joseco. J'avais déjà travaillé avec un site approchant qui s'appelait Lucky Find. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc, je l'ai mis hein, parce que c'était offert avec. Mais évidemment que ça, ça va aller à une de mes élèves. Évidemment, je ne vais pas mettre ça. Le petit porte-clés. Bah non. Donc, c'est un sac. Je l'ai déjà eu par Lucky Find en noir. Et là, je l'ai eu et je l'avais filé. Joseco. Pareil, vous avez 10% avec mon code promo. Et en plus, c'est cumulable avec toutes les offres du moment. Donc, c'est nickel. Je crois que c'est une trentaine d'euros. Et du coup, je l'ai fait ce matin pour simuler le truc, pour voir si le code promo marchait bien. Parce que des fois, les codes promo ne marchent pas, vous me dites. Et effectivement, il revient à 30 balles, je crois, le sac. C'est en simili, hein, c'est pas du cuir. Moi, j'ai pris cette couleur-là. Il y avait au moins 5 ou 6 couleurs. Noir, beige, taupe, etc. Et j'ai trouvé que cette couleur-là, elle était jolie. Parce qu'en ce moment, je suis très dans le violet. Vous l'aurez remarqué. Puis, je vous montrerai après aussi. Donc, tu peux le porter comme ça. Tu peux le porter comme ça. Et derrière, tu peux le porter en sac à dos. Et moi, le noir que j'avais là... Alors, souvent, j'enlève ça, moi. Parce que ça finit par me gêner, en fait. Parce que je le porte jamais comme ça. Au pire, je le porte comme ça ou à la main. Mais c'est vrai que ça, ça finit par me gêner. Donc, je sais que je l'avais... Sur l'autre, je l'avais enlevé, je crois, carrément. Je l'avais en noir, hein. Donc ouais, j'étais contente parce que, en plus sur leur site, donc du coup je suis allée voir parce que je me dis, il faut quand même quand tu présentes des trucs, que tu saches un peu de quoi tu parles car c'est souvent ton problème. Oups. Et en fait, il y a plein de... C'est vraiment comme le Lucky Find, j'ai l'impression que c'est eux qui ont repris d'ailleurs. Les sacs en paille, les petits portefeuilles, etc. Enfin, franchement, il y a des trucs sympas. Et la qualité, elle est plutôt pas mal parce que moi, le noir, je l'avais quand même pas mal utilisé. Il y a plein de poches. À l'intérieur, il y a plein de poches aussi. Enfin, il est hyper pratique, ce sac. Hyper pratique. Donc, ouais, voilà. Moi, je peux le mettre comme ça aussi. Je l'avais pris, je m'en rappelle, pour aller en Angleterre avec Marjo, celui que j'avais en noir. Donc, voilà.